ne puis avoir aucun des livres que je voulais emprunter à la bibliothèque. Ils ne sont pas assez bruns. Bah, faut pas pousser, tu comprends. La nation n'a rien à y gagner, à accepter qu'on détourne la loi. Et à jouer au chat et à la soumis. Oui. Personne n'est brun comme neige. Ah si, le petit chaperon brun. Ma voisine Prune a lu cette histoire à ses petites filles et elles n'ont rien compris. Ah, c'est pourtant clair de brun. Bah, que nenni. Quand le petit chaperon rouge, brun, tombe dans la boue brune et son chapeau devient brun et que même après un brin de toilette, le chapeau reste brun, pas rouge, toujours brun. Brun, quel est le problème? Bah, loup brun, chapeau brun. Les petites filles ont confondu l'histoire et les personnages. Que c'est rigolo. Ils sont peut-être bruns, mais à la fin, l'histoire reste la même, brune. Et c'est le loup brun qui va manger le petit chaperon brun. Ça, c'est sûr. J'ai une fin de loup, brun. Mais n'es-tu pas un vrai cordon brun?